Fijne zondag. Bon dimanche dans la salle. Fijne zondag voor de mensen in de zaal. Halleluja. Aide-moi à dire un bon dimanche à ton voisin ce matin. Help mij om een fijne zondag te wensen aan uw buur, aan uw naaste deze ochtend. Dis que tu as fait le bon choix d'être dans sa maison. En zeg hem dat hij de goede keuze heeft gedaan om in zijn huis te zijn. Tu n'as pas regardé la pluie. Je n'as pas regardé le mauvais temps. Naar de slecht weer. Tu as pris ton bus et tu es venu en ce lieu. Je hebt de bus genomen en je bent hier. Tu as choisi la bonne part ce matin. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Nous voulons l'adorer car il est là ce matin. Mais avant toute chose, nous voulons d'abord lire un psaume que j'aime énormément. C'est un psaume qui me rappelle ce que je dois faire quand je viens dans la maison du Seigneur. C'est un psaume qui me helpt herinneren wat ik moet doen in het huis van de Heer. Quelle attitude je dois avoir dans sa présence. Welke attitude ik moet hebben in zijn aanwezigheid. Le psaume 100. Alléluia. Le psaume 100. Béni soit ton nom éternel. Lisons tous ensemble. Laten we samen lezen. Psaume de louange. Lofpsalm. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Alléluia. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Ce matin, nous voulons le dire que nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité des générations en génération. Il est le Dieu des générations. Il est le Dieu fidèle. Hij is een trouwe sa fidélité God. Dure des générations en générations. Duurt van nous sommes son peuple, dit sa parole. Zijn et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons nous abandonner entre ses mains. Nous voulons dire, Seigneur, prends tout, Seigneur. Car nous t'appartenons. Tu es notre Dieu. U bent onze tu es notre Seigneur. U bent onze nous sommes ton peuple. We zijn uw volk. Nous t'appartenons. Wij behoren u les bochets et les babas. Merci éternel Dieu de gloire, entre tes mains. Alléluia. Seigneur, ce matin, prends tout, Seigneur. Nos louanges, adoration, Seigneur, qui t'est dû. Alléluia. Nous voulons le faire monter vers toi, éternel Dieu des armées. Prends tout, Jésus, prends tout, prends tout, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Ce que j'appelle encore une fois.
Prends le contrôle.
Abandonnons ces moments, Seigneur. Nous te le dédions, nous te le donnons. Ce culte, ô Dieu, soit le commencement et la fin. Rebaba, chetele baba. Renara bobo bo, chetele baba 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 baba. Sans rival, tu es sans égal.
matin, nous t'élevons, Seigneur. Ce matin, nous t'adorons, Seigneur. Tu es sans rival, tu es sans égal. Ton nom triomphe à tout jamais. Tu es le commencement et la fin. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Tu es sans égal, tu es sans rival. Qui ne peut se comparer à toi? Personne ne peut se comparer à toi. Et va m'acheter. Nous t'élèverons, Seigneur. Nous t'élèverons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te célébrons, Éternel. Car tu es notre Dieu. Mon Seigneur, viens régner. Établis ton règne en Seigneur. Établis ton règne en Seigneur. Que notre nom disparaisse. Nous avons que le sang précieux de notre Dieu. En ce lieu, qu'il vienne à inonder ce lieu, que le sang vienne inonder ce lieu, que le sang vienne inonder ce lieu, que le sang vienne inonder ce lieu, le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de notre roi, le sang précieux de notre Seigneur, le sang précieux de notre Créateur, le sang précieux de notre roi, qui inonde ce lieu, Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle de ce lieu, de ce moment, Seigneur. Et les baba 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 baba, chète les baba, les bo, chète les baba 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 baba, les baba y'a que t'es les bo 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 bo. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'élevons Jésus, nous t'adorons Jésus. Oh les baba y'a que t'es les baba baba baba. Jésus, règne en ce lieu, Seigneur, règne en ce temps, nous avons besoin de toi, nous t'invoquons, nous t'invitons, re baba yachete re 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 bossa, re baba 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 baba, re baba 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 baba, roi de gloire, éternel, nous élevons ton nom, ce lieu, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place en ce lieu, règne en ce lieu, sois celui qui va régner en ce lieu. Alléluia, manifeste-toi encore comme jamais auparavant, Seigneur. L'onction d'hier est passée. Nous voulons une onction nouvelle, une huile fraîche ce matin, Seigneur. Je veux une huile fraîche, mon frère, ma soeur, veulent une huile fraîche, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Et nous t'acclamons très fort ce matin. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Des cris de joie à ton honneur. You are worthy to be praised. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Rebachete. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça pour le roi des gloires? Alléluia. Notre Seigneur, notre Maître, nul n'est comme toi, éternel. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia.
Seigneur. Il est digne d'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Alléluia. Notre Seigneur, notre roi, béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom. Là où tu donnes à l'abondance, béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Quand le soleil semble me sourire, je dis béni soit ton nom, Seigneur. Et ma main chétée les babas. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Que tu commences déjà. Merci Saint-Esprit pour ton onction.
tu as déjà déversé au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es déjà là, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que Seigneur, j'attends que tu me touches en ce lieu, Saint-Esprit. Je désire tellement, Saint-Esprit, ta présence. Je désire tellement plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi en ce lieu. Plus de toi en ce lieu, Saint-Esprit. Plus de toi dans ma vie, merci Saint-Esprit. En ce lieu, je désire tellement entendre ta voix à genoux. J'attends que tu me touches à ma paix. En ce lieu, je désire tellement entendre ta voix à genoux. Et j'attends que tu me touches à ma paix. En ce lieu, je désire tellement entendre ta voix.
L'offrande est aussi une louange. Alléluia. L'offrande est un teken. Nous voulons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole. En we willen onze harten voorbereiden. Et en même temps, nous allons offrir à notre Seigneur. Alléluia. En nu gaan wij offeren aan onze God. Nous pouvons tous nous lever en attendant la présence du Seigneur. Kunnen allen opstaan in de aanwezigheid van de Heer. Que ta présence en moi devienne réelle ce matin. Que ta présence en moi devienne palpable ce matin. Nous avons besoin de toi, Jésus. Que ta présence devienne palpable dans cette église, Seigneur. Pas pour frimer, Seigneur. Pas pour faire des fiers. Pas pour devenir orgueilleux. Mais pour ta gloire, ô Dieu. Pour ta gloire, Seigneur. Pour que le monde sache que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Les bayaches et les bas. Les paniers vont circuler dans les rangées. De mannen zullen rondgaan in de rijen. Je peut aussi payer par bankcontact. En er is ook mogelijkheid om via bankcontact je overgave te doen. Alors que nous adorons en même temps. Terwijl we de Heer gelijktijdig aanbidden. Alleluia, éternel Dieu de gloire. Que ta présence devienne réelle ce matin. Que ta présence soit palpable ce matin. Tu es là, Jésus. Oh, nous désirons ta présence.
Est-ce que nous pouvons élever nos voix simplement, adorer le Seigneur? Adore simplement le Seigneur. Alléluia. Que ton nom, Seigneur, soit élevé ce matin. Tu es le Seigneur de gloire, le maître de temps et des circonstances. Et nous nous prosternons devant ta majesté, le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Donne gloire à ton saint nom, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu.
Merci pour ta présence. Dank u voor uw aanwezigheid. Que ton sang inonde nos cœurs, dat Seigneur. Uw bloed onze hart, afin que nos cœurs soient purs devant toi. Opdat onze hart, que nos pensées, Seigneur, soient pures devant toi. En onze gedachten, que nos mains, Seigneur, soient pures devant toi. Seigneur, c'est dans ta présence que nous voulons. Alléluia. Demeurez, Seigneur. Alléluia. Nous t'élévons, toi, le roi de gloire. Nous t'élévons, toi, le Seigneur tout-puissant. Que ce matin, nos cœurs s'inclinent devant toi, Seigneur. Tu es le roi puissant, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre, Seigneur. Tu es le seul Dieu. Tu règnes, Seigneur. Règne ce matin au milieu de nous. Règne ce matin, Seigneur, dans nos vies. Règne ce matin dans nos familles. Règne ce matin dans ton Église, ô notre Dieu. Rabo Samdereka Maikere Babasa. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'as pas de rival, tu n'as pas de pareil, notre Tu es l'unique, le véritable Seigneur, l'incomparable, alléluia, l'admirable. Glorifie le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce matin. Glorifie le nom de Jésus-Christ, ce matin, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus-Christ, ô tendre Père, soif de toi. Conduis-nous, Seigneur, dans les profondeurs. Dans les profondeurs, Seigneur. Que la gloire soit à toi. Alléluia, Seigneur. Pendant que nous élevons ton nom ce matin, nous abaissons tout autre nom et tout autre pouvoir qui ne confesse le nom de Jésus-Christ. Viens régner, Seigneur, au milieu de nous. Kom en heers in ons midden. Accomplis, ô notre Dieu, tes desseins. Vervul uw plannen. Parce que tu es le roi des gloires. Want u bent de koning der gloires. Et le Seigneur des seigneurs. En de Heere der Heeren. Au nom de Jésus-Christ. In de naam van Jesus Christus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames le Seigneur, tu salues ton voisin de gauche et de droite dans le nom du Seigneur. Dites-lui que vous êtes dans la joie d'être à côté d'elle ou à côté de lui. Alléluia. Oh, dis à l'autre voisin, parce que ce voisin-là, dis à un autre voisin qui est plus joyeux ou plus joyeuse. Zeg het tegen een buur die meer Alléluia. Vreugdevol is. Mon Dieu, mon Dieu. Que le Seigneur soit béni. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, nous voulons saluer tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois un dimanche. Si c'est la première fois que vous êtes parmi nous un dimanche, nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur. C'est une joie pour nous de pouvoir vous saluer le matin. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est parmi nous pour la première fois? Is er iemand die hier is voor de eerste keer? Nous bénissons le Seigneur aussi pour tous ceux, celles qui étaient partis en vacances et qui reviennent. En we zegenen de heren die op vakantie zijn geweest en die al ondertussen terug zijn gekomen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la protection. We zegenen de heren voor de bescherming. Nous bénissons le Seigneur aussi pour ceux ou celles qui Alléluia, étaient partis, qui sont revenus, et celles et ceux qui vont partir aussi. Pour la gloire de son saint nom. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Amen. 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 J'espère que vous avez eu le temps de pouvoir vous reposer un peu. Alléluia. Qui doivent encore partir? Wie moet nog vertrekken op vakantie? Ah, il y en a encore qui doivent partir.
Nous bénissons le Seigneur. Vous êtes des, on vous appelle des Haoussiens. C'est ça. Des gens qui partent en août. De mensen die gaan van augustus naar mei. Des Haoussiens. De Augustenaars. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors ce matin, pendant quelques minutes, nous voulons partager la parole de Dieu. En deze ochtend, gedurende enkele minuten, gaan we het woord van God delen. Nous allons continuer dans un enseignement. Om de richting dat we hebben begonnen in onze dat we zijn begonnen in onze drie weken van vasten en gebed. Amen. Amen. De manier dat que cela puisse être cristallisé dans nos cœurs. Opdat het in onze harten geplaatst kan zijn. C'est très important. Amen. Alors, la méditation de ce matin. De méditatie van deze ochtend. Nous l'intitulons Quel bénéfice. Welke voordelen tire-t-on kunnen wij uithalen à considérer les intérêts de Dieu? Uit de belang, als we rekening houden met de belangen van God. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il un bénéfice quand nous considérons les intérêts de Dieu, oui ou non? Kunnen we een voordeel halen als we de belangen van God in rekening houden, ja of nee? Amen. 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 Parce que vous voyez, nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Want we zijn hier niet op aarde gekomen per toeval. Nous sommes venus sur la terre parce que Dieu l'a voulu et Dieu l'a autorisé. We zijn hier op aarde gekomen omdat God het gewild heeft en God dat heeft toegelaten. L'homme le plus heureux. De meest gelukkige mens. Ou les hommes les plus heureux. Of de meest gelukkige par mensen. Par homme donc, soyez neutre, femme et homme compris. Dus wanneer ik spreek over mensen, dat is vrouwen en mannen inbegrepen. C'est celui qui a trouvé la volonté de Dieu pour sa vie. Is degene die de wil van God van in zijn leven heeft ontdekt. Alléluia. Amen. Quand vous avez trouvé le but réel de votre vie. Als je de doel van jouw leven hebt. Cela vous rend heureux. Dat maakt je gelukkig. Alléluia. Amen. Cela vous rend heureux. Dat maakt je gelukkig. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent. Je kan misschien geen geld hebben. Mais si vous trouvez le but réel de votre vie. Maar als je de doel vindt van jouw leven. Vous allez voir que vous devenez un homme ou une femme heureuse. Dan zal je zien dat je een gelukkige man of vrouw bent. Alléluia. Amen. Parce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes venu sur la terre. Want jullie weten waarom jullie op aarde zijn gekomen. Et quel est le but que Dieu vous a assigné. En welk doel God u gegeven heeft. Alors dans Matthieu chapitre 6, n'est-ce pas, verset 10. En in Matthieu hoofdstuk 6, nous avons déjà vu, si vous vous souvenez, c'était quoi encore? Wat was deze vers ook alweer? Matthieu chapitre 6, Matthieu hoofdstuk 6, verset 10. Ça vous rappelle quelque chose? Laat dat jullie aan iets denken? Pardon? Ça, c'était notre thème de trois semaines de jeûne et prière. Que ton règne vienne et que ta volonté. Alors, dans Matthieu chapitre 6, 33. En in Matthäus hoofdstuk 6, verset 33. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, 33, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Wat zegt het woord van God ons? Cherchez premièrement le royaume het koninkrijk et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. En zijn Alléluia. Gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Nous avons dit que le règne de Dieu er werd gezegd dat de koninkrijk van était God était l'expression de son pouvoir. Een uitdrukking was van zijn macht. Dieu règne sur tout l'univers. God heerst over heel het universum. Il n'y a aucune partie de l'univers qui lui échappe. En er is geen deel van het universum dat hem niet toebehoort. Amen. Amen. Dieu règne sur tout. God heerst over alles. Amen. 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 Dieu règne sur tout. God heerst over alles. Donc quand on parle du règne de Dieu, dus wanneer we spreken over de on parle de l'expression du pouvoir de Dieu. Spreken we over de uitdrukking van la manière dont Dieu exprime son pouvoir. De manier waarop God zijn macht uitdrukt. Alléluia. Amen. Et nous avons attaché le règne de Dieu avec le Saint-Esprit. En we hebben de heerschappij van God gehecht aan de Heilige Geest. Car nous avons vu, want we hebben gezien, Actes chapitre 1 verset 8. Handelingen 1 hoofdstuk 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Wat zegt het woord van Je suis toujours God dans mon introduction. Et vous Ik zit nog steeds in mijn introductie, dus maak je geen zorgen. Vous recevrez Jullie une puissance, kracht le Saint-Esprit survenant sur vous, de Heilige Geest, et vous serez mes
témoin. Die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn. Halleluja. Vous serez pour les Warriors, vous savez très bien que nous sommes témoins où? À Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Est-ce que je peux voir les Warriors ici? Jullie weten dat jullie getuigen zullen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria. Et les autres, vous n'êtes pas des Warriors. Alléluia. Qui n'est pas Warriors? Wie is hier geen Warrior? Donnez-lui les liens. Donnez-la, pardon, comment dirais-je, les liens. Le matin, 6 heures du matin, nous sommes là pour pouvoir prier le Seigneur. 6h45. Amen. Amen. Donc nous voyons que le règne de Dieu, dus we zien dat het koninkrijk c'est l'expression du pouvoir du Seigneur. De uitdrukking is van de macht van de Heer. Mais le Seigneur va dire à ses disciples, en de Heer gaat zeggen tegen vous allez recevoir une puissance. Jullie zullen een kracht ontvangen. Et cette puissance est attachée, n'est-ce pas, à... au Saint-Esprit. En deze kracht is gehecht aan de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Est attaché au Saint-Esprit. Deze kracht et quand le règne de Dieu vient, wanneer de koninkrijk van le God règne God de Dieu se manifeste de plusieurs manières. De koninkrijk van God gaat zich uiten op verschillende manieren. Halleluja. Halleluja. Quand le Seigneur Jésus va dire, par exemple, dans Matthieu chapitre 12, verset 28, wanneer de Heer Jezus Christus gaat zeggen in Matthäus hoofdstuk 12, verset 28, Matthieu chapitre 12, verset 28, Matthäus hoofdstuk 12, verset 28, que nous dit la parole du Seigneur? Wat zegt het woord van God? Matthieu 12, 28. Matthäus hoofdstuk 12, verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Wat zegt de Heer ons? Moi, je suis dans Matthieu 28, excusez-moi. Je suis déjà dans Matthieu 28. Ik zat in Matthäus 28. Au lieu d'aller dans 12, moi, je suis déjà dans le 28. Zat ik in Matthäus hoofdstuk 12. Je reviens Matthieu 12, 28. Ik kom terug naar Matthäus hoofdstuk 12, verse 28. Le Seigneur Jésus déclare. De Heer Jezus Christus verklaart. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Maar als ik door de Geest van God de demonen uitdrijf. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Halleluja. Amen. Nous parlons du règne. We spreken hier over de Heer. Dieu est le roi qui règne sur tout l'univers. God is de koning die heerst over heel het universum. Le règne de Dieu, c'est l'expression du pouvoir d'un pouvoir ou le pouvoir de Dieu. Het koninkrijk van God is de uitdrukking van de macht et van cela God. Est attaché au Saint-Esprit. En deze is gehecht aan de Heilige Geest. Et quand le règne de Dieu vient, en wanneer de koninkrijk van God komt, halleluja, cela se manifeste par des signes. Dan gaat zich uiten door tekens. Dans Matthieu chapitre 12, 28, là où nous venons de lire, Matthäus, 12, 28, Jésus déclare que si Jesus, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dat als het door de Geest van God dat ik démons uitdrijf, sachez-le que le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Weet dan dat de koninkrijk van God tot bij u gekomen is. Dans Jean, pardon, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2 et les suivants, in Matthäus hoofdstuk 11, vanaf vers 2, en het si vous lisez là-bas, vous allez voir que Jean-Baptiste, gaan jullie lezen en zien dat Johannes de Doper, il a envoyé les gens vers Jésus, hij heeft mensen gestuurd naar pour Jezus, poser la question à Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir? Om de vraag te stellen, bent u degene die we verwachten? Es-tu réellement le Messie? Ben je daadwerkelijk de Messias? Halleluja. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Wat gaat er dan gebeuren? Ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va répondre. Wat er gebeuren zal, is dat de Heer Jezus zal antwoorden. En répondant, il va dire, à Jean-Baptiste. En je gaat zeggen tegen Johannes de Doper. Halleluja. Amen. Allez dire à Jean-Baptiste. Ga en zeg tegen Johannes. Que les sourds entendent. Dat de, que les aveugles voient. Dat de doven horen, dat que de blinden zien, purifiés, dat de melaatse gereinigd Halleluja. Zijn. Amen. Pour dire à Jean-Baptiste, om te zeggen tegen Johannes toutes de Doper, ces choses dat al deze zaken démontrent, aantoont, halleluja, que le royaume de Dieu dat de koninkrijk van God démontre que le règne de Dieu toont aan dat de heerschappij van God est venu vers nous. Tot ons gekomen is. Halleluja. Amen. Halleluja. Donc, quand le règne de Dieu vient, dus wanneer de heerschappij van God komt, cela doit être palpable. Dat moet tastbaar zijn. Cela doit être visible. Dat moet te zien zijn. Ce ne sont pas les blabla. Het zijn geen blabla's. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen.
Maintenant, dans ce règne-là, c'est pour que nous puissions accomplir non pas nos volontés, mais que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, nous avons deux sortes de volontés. Il y a la volonté révélée et il y a la volonté cachée. Alléluia. Amen. Deutéronome 29, 29. Deutéronomium, hoofdstuk 29, vers 29. Vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce que cela nous dit? Wat zegt het woord van God, voor degenen die dit lezen? Deutéronome 29, 29. Deutéronomium, hoofdstuk 29, vers 29. Wow! Les choses cachées sont, et les choses révélées sont à... De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons. Donc, il y a la volonté cachée de Dieu, dus er is de verborgen wil van et God la volonté révélée. En de openbare wil cette van God. Volonté révélée, en deze openbare wil van nous God trouvons cela dans la parole de Dieu. Vinden wij in het woord van God. Alléluia. Maintenant, quand nous avons le règne de Dieu, nous connaissons quelle est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il un bénéfice pour nous quand nous considérons les intérêts de Dieu, oui ou non? Is er een voordeel dat we kunnen uithalen wanneer we rekening houden met de belangen van God, ja of nee? Je me souviens, à l'époque, nous avions commencé à parler de David. Ik weet nog toen de tijd waar we aan het spreken over David. Halleluja. Amen. Nous avions commencé à étudier un petit peu le cas de David. En we waren een beetje het geval van David aan het bestuderen. Et c'est ça, ce matin, je veux aller dans le même sens. En deze ochtend ga ik dezelfde richting heen gaan. Pour voir, est-ce qu'il y a-t-il un intérêt quelconque quand nous considérons d'abord les intérêts de Dieu, oui ou non. Om te zien of er een bepaald voordeel is als wij eerst de belangen van God in acht nemen. Amen. Amen. Quand vous lisez dans 1 Chronique chapitre 12, als jullie lezen in 1 Chronieken hoofdstuk 12, vous allez 1 Chronique chapitre 12 à partir du verset 38, vanaf vers 38, vous allez voir que les gens d'Israël vont venir, ils vont établir David comme étant le roi. Jullie zien dat het volk van Israël naar David toe gaan en hem gaan vastdichten als de koning. Halleluja. Amen. Le roi David va être établi comme roi. Dus David, koning, de koning David wordt dan et quand il sera koning, établi comme roi, en eens hij koning wordt, au chapitre 13 maintenant, in 1 Chronieken hoofdstuk 13 nu, 1 Chronieke chapitre 13, 1 Chronieke hoofdstuk 13, qu'est-ce que David va faire? Wat gaat David doen? Un chronique chapitre 13, à partir du verset 1er. 1 chronique hoofdstuk 13, vanaf verset 1. Donc, au chapitre 12. Dus in 1 chronique hoofdstuk 12. David est intronisé comme roi d'Israël. Maakt de volk van Israël David tot koning. Amen. Amen. Chapitre combien, Daniel? Welke hoofdstuk? 3. Chapitre 3. 13. Alléluia. Il ne faut pas sortir, il faut rester ici. Tu n'as pas encore des factures à payer, alors ça ne sert à rien de sortir maintenant. Alléluia. Ceux qui sortent, ce sont des gens qui ont des factures à payer. Parce qu'il est à l'église, tu commences à penser aux factures. Alléluia. Reste avec nous. Au chapitre 12, donc, in hoofdstuk 12, on intronise David comme étant le roi. Maakt de volk van Israël David tot koning. Maintenant, au chapitre 13, en in 1 chronieke hoofdstuk 13, dès qu'il est établi comme roi, eens hij koning geworden is, il est écrit au verset 1er, er staat geschreven in verset 1, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines et tous les princes. David overlegt met de bevelhebbers over duizend en die over 100. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, David zegt heel de gemeente van Israël, si vous les trouvez bons, si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent avec nous. Als het u goed dunkt en als het van de Heere onze God is, laten wij ons dan vertrouwen
strijden, laten wij boden sturen naar onze overige broeders in alle gebieden van Israël en met hen ook naar de priesters en de levieten in de steden met hun weidegrond en laten zij zich bij ons voegen. Verset 3. Verset 3. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés au temps de Saül. En laten we de ark van onze God naar ons terughalen, want in de dagen van Saul hebben wij er niet naar gevraagd. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Le début est très important. Het begin is zeer belangrijk. Halleluja. Amen. Mais la suite est encore plus important. Maar het vervolg is nog belangrijker. Quand David est établi roi, eens David koning geworden is, la première décision de David, de eerste beslissing van David, ce n'est pas aller chercher à tuer maintenant ses ennemis. Is niet om eerst zijn vijanden te moorden. La première décision de David, de eerste beslissing van David, c'est de chercher à ramener l'arche de Dieu en Israël. Is om op zoek te gaan om de ark van God terug te brengen in Israël. Parce qu'il dit, ça fait longtemps, au temps de Saül, nous ne sommes pas occupés de l'arche de Dieu. Want hij zei dat er in de dagen van Saul, dat we geen acht hebben rekening gehouden met de ark van God. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Mais quand il prend les rênes, maar eens hij koning wordt, une des premières décisions de David, een van de eerste beslissingen van David, je veux que l'Éternel soit au milieu de nous. Was dat hij wilde dat de Heere, onze God, in ons midden is. Or, souvent, quand nous commençons les affaires, en dikwijls als we onze zaken starten, quand nous commençons les histoires, als we onze dingen doen, nous faisons les choses selon nous et pas selon Dieu. Dat doen we deze zaken volgens onszelf en niet volgens God. C'est rare. Het is heel zeldzaam. De voir les gens avant ou quand ils commencent d'inviter Dieu d'abord dans l'histoire. Om mensen God uit te nodigen in hun souvent zaken. Nous invitons Dieu quand? Dikwijls, wanneer nodigen we God uit in onze levens? Quand les problèmes wanneer commencent. Problemen opduiken. Tu commences tes histoires dus dan begin je met je zaken sans Dieu. Zonder God. Ce n'est que quand les choses vont se, comment dirais-je, c'est compliqué que là tu appelles Dieu. Enkel wanneer de zaken moeilijk worden, dan ga je mais God David, zoeken. Maar David, quand il commence le règne, wanneer hij begint met heersen, il dit, nous devons ramener l'arche de Dieu en Israël. Zegt hij, we moeten de ark van nous God terugbrengen in Israël. Nous devons nous en occuper véritablement. We moeten ons daarmee bezighouden. Donnons à Dieu une place de choix. Laten we aan God plaats geven. Mettons-le au centre. Laten we hem in het c'est centrum ce que plaatsen. David cherchait. En dat is wat David naar parce qu'il was. Savait que dans la présence de Dieu, want hij wist dat in de aanwezigheid van God, les choses ne pourront plus demeurer le même. De dingen niet langer meer hetzelfde zou blijven. Halleluja. Amen. C'est pour ça il a dit non, ramenons l'arche de Dieu. Dus daarom dat hij gezegd heeft dat laten we eerst de arche ramenons van God terugbrengen. Laten de Dieu. We eerst de aanwezigheid van God terugbrengen. Toi aussi ce matin, en jij ook deze ramène à nouveau la présence de Dieu dans ta vie. Opnieuw de aanwezigheid van la God in présence uw leven. De Dieu dans ta de maison. De aanwezigheid van God in uw huis. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Il n'a pas cherché à aller à gauche et à droite. Hij is niet op zoek gegaan om naar links en rechts souvent te gaan. Souvent quand on établit un roi. Dikwijls wanneer we een koning gaan vaststellen. Halleluja. Amen. Vous avez vu l'intronisation de du roi Charles. Jullie hebben de troonopstijging van koning Charles gezien, toch? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Comment est-ce que les choses se sont passées? En jullie hebben gezien hoe de dingen verlopen zijn. J'ai regardé ça avec très, avec beaucoup d'attention. En ik heb dat aandachtig bekeken. Halleluja. Amen. Avec beaucoup, beaucoup d'attention. Met heel veel aandacht. Souvent, vous voyez, entre l'intronisation d'un roi et d'un président, c'est deux choses différentes. Wanneer we kijken naar een persoon die president wordt of naar een persoon die koning wordt, dat zijn twee verschillende zaken. Halleluja. Amen. Quand un président est là, wanneer de president er is, il va d'abord sortir le soir un peu pour faire son discours. Hij gaat in de avond zijn speech doen. Halleluja. Amen. Et après là, il va chercher quels sont les pays qu'il va d'abord commencer à visiter. En dan gaat hij op zoek naar welke landen hij eerst gaat bezoeken. Mais quand vous voyez Charles, als je kijkt naar koning Charles, wow, c'était quand même quelque chose d'important. Het was toch iets zeer belangrijks. Amen. Amen. Donc David, quand il est intronisé aussi roi, dus David, eens hij als koning op de troon is gestegen, il cherche d'abord pour que la présence de Dieu conduise son règne.
was hij op zoek naar de aanwezigheid van God, opdat dat zijn heerschappij kon leiden. Au verset 4, il dit, in 1 Kronieken toute l'assemblée décida de faire ainsi. Kan je zien, zei heel de gemeente dat men het zo zou doen. Car les choses parurent convenables à tout le peuple. Want die zaak was goed in de ogen van heel het volk. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses paraissent convenables. Quand les gens ont entendu que non, nous allons ramener l'arche de Dieu. Wanneer de mensen gehoord hebben dat het ark van God terug in Israël zou komen. Tout le peuple était content. Heel het volk was blij. Alléluia. Amen. Nous allons ramener l'arche de Dieu en Israël. We gaan het ark van God terugbrengen in Israël. Donner à cette arche une place de joie. We gaan aan deze ark een plaats geven. Alors maintenant je commence ma prédication. En nu start ik met mijn prediking. J'étais seulement dans l'introduction. Ik was even in mijn introductie. Alléluia. Amen. Maintenant au verset 5. Nu in vers 5. David assembla tout Israël. Vervolgens riep David heel Israël bijeen. Depuis Shikor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir à Kirjat-Yarim l'arche de Dieu. Kirjat-Yarim, vous connaissez, c'est quelle ville? Van de Shikor in Egypte af tot aan Lebo-Bamat om de ark van God uit Kirjat-Yarim terug te brengen. Welke stad is dat? Kirjat-Yarim. Kirjat-Yarim, welke stad is dat? Hebron. Hebron. Que Dieu te bénisse. Dat God u zegent. Halleluja. Amen. Ça c'est bien, ça me réjouit. Dat maakt me blij. Alléluia. Amen. Donc David rassemble le peuple. David brengt het volk bijeen. Il dit nous allons maintenant ramener l'arche à Hébron. En hij zegt we gaan het ark terugbrengen in Hebron. Au verset 6 et David avec tout Israël montant à Baala. Toen trok David met heel Israël naar Baala. À Kirjat-Yarim. Dat is naar Kirjat-Yarim. Qui est à Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Devant laquelle, n'est-ce pas, est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Dat aan Juda toebehoort om vandaar de ark van God de Heere die tussen de cherubs troont op te halen, de ark waar de naam wordt aangeroepen. Je disais, c'est là où je commence la prédication. Ik zei, hier start ik mijn prediking. Halleluja. Amen. Il a eu une bonne idée. Hij had een goed idee. De faire remonter l'arche. Om het ark de chercher la présence de Dieu. Om op zoek te gaan naar de aanwezigheid. Mais attention. Maar wees voorzichtig. Le Dieu que nous servons. De God die wij dienen. Le Dieu que nous cherchons. De God naar wie wij op zoek zijn. Est un Dieu de principes. Is een God van principes. Alléluia. Amen. Est un Dieu de principes. Hij is een God van principes. Et si nous voulons voir la main de Dieu. En als we Gods hand willen zien. Nous de. Alléluia. Les principes de Dieu. Principes van God respecteren. Amen. 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 Respectez les principes de Dieu. De principes van God respecteren. Verset 7. Verset 7. Ils mirent sur un char neuf. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. L'arche de Dieu. Qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Vanuit het huis van Abinadab. Uza. En Uza. Et Acho. En Ayo. Halleluja. Conduisaient les chars. Leidden de wagen. Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle quelque chose? Laat dat iets denken. Quand les Philistins ont pris, ont été démembrés. Dat de aanwezigheid van de qui a conduit à ce que leur idole soit totalement démembrée? Ervoor gezorgd heeft dat heel het land aangevallen wordt door deze. Ils ont appelé leurs sorciers de l'époque. Ze hebben hun tovenaar van de tijd. Les magiciens ou les sorciers. Magiërs. Ils ont conclu que non, c'est l'arche de Dieu qui produit cela. En ze hebben begrepen dat het ark van God dit heeft veroorzaakt. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Wat gaan ze dan doen? Ils vont chercher des vaches. Ze gaan de koeien nemen. Ils vont aussi prendre l'arche de Dieu. Ze gaan het ark van God nemen. Qu'ils vont mettre sur un char neuf. Die ze gaan plaatsen op een nieuwe wagen. Halleluja. Amen. Et ils ont dit, nous allons voir là où vont partir les vaches. En we gaan zien waar de koeien si les vaches vont dans la direction de Israël, als de koeien naar de richting van Israël ce gaan, qui veut dire, dat wil zeggen, c'est le Dieu d'Israël qui nous punit. Dat de God van Israël ons heeft gestraft. Ils ont pris l'arche, ze hebben de ark van ils God ont mis, genomen, n'est-ce pas, sur, ze char, hebben dat geplaatst op een et ils ont vu aussi que les vaches ont commencé à se
à se diriger vers Israël. En ze hebben gezien dat deze koeien richting Israël gingen. Et les gens d'Israël étaient étonnés de voir que non, l'arche est revenue toute seule. En de mensen van Israël waren verbaasd dat de ark van God vanzelf terug is gekeerd. Qu'est-ce que je voudrais nous dire? Wat wil ik jullie zeggen? Qu'est-ce que je voudrais nous dire? Wat wil ik jullie zeggen? Nous sommes enfants de Dieu. Wij zijn kinderen van God. Et en tant qu'enfants de Dieu. En als kinderen van God. Évitez les copies. Vermijd om kopies te maken. Ce qui a marché pour l'un. Wat voor de ene persoon gewerkt heeft. Ne marchera pas pour toi. Zal niet voor de andere persoon Parce werken. Parce que toi tu es enfant de Dieu. Want jij bent een kind van God. Tu dois pouvoir marcher selon les principes de en Dieu. En je moet op stap gaan volgens de principes van God. Alléluia. Amen. J'insiste bien là-dessus. En ik zet er een nadruk op. Parce que nous avons prié. Want we hebben gebeden. Le Saint-Esprit est là. De Heilige Geest. Le Saint-Esprit a rempli plusieurs. De Heilige Geest heeft verschillende onder nous n'avons pas, nous ne voulons pas nous arrêter là. Wij willen daar niet stoppen. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous revêtir maintenant. Dat de Heilige Geest ons nu bekleedt. Mais pour cela, bien-aimé dans le maar Seigneur, omdat dit gebeurt, nous avons besoin du respect des principes moeten de Dieu. Wij de principes van God respecteren. Parce que le même Dieu, want de, il fait la même chose. Hij doet exact hetzelfde. Hallelujah. Amen. Il fait la même chose. Hij doet il choisit un char neuf. Hij gaat zoeken naar een il nieuwe met aussi wagen, l'arche dessus. En hij legt het ark van God. Et in vers 8 van 1 Kronieken hoofdstuk 13. David et tout Israël dansaient. David en heel Israël huppelden. Devant Dieu. Voor het aangezicht van God. De toute leur force. Uit alle macht. En chantant. Met liederen. En jouant des harpes. Met harpen. Des luttes. Met luiten. Des tambourins. Met tambourijnen. Des cymbales. Met cymbalen. Et des trompettes. Danser. Dus ze zijn aan het dansen. Ils sont dans la joie. Ze zijn in vreugde. Que voilà, nous sommes en train de ramener l'arche de Dieu. Oh, we zijn het ark van God terug aan het brengen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu respecte ses principes bien-aimés. Maar God respecteert zijn principes. Alléluia. Et ce que Dieu a prononcé. En wat God heeft un homme n'a pas le pouvoir. Geen enkele aucun démon n'a le pouvoir de changer ce que Dieu a prononcé. Cela veut dire que ce que Dieu a prévu pour ta vie. Dat wil zeggen wat God heeft voorbestemd in uw leven. Alléluia. Amen. Aucun homme n'a le pouvoir de geen le changer. Enkele mens kan dat veranderen. La seule chose, de enige ding, je pense que ça doit être le frère Dave qui avait dit ik ça denk aussi. Dat broeder Dave is die dat gezegd heeft. C'est parce que nous sommes contradictoires. Dus omdat wij in tegenstrijd c'est toi qui zijn. Avais parlé de cela, hein? La prière du matin, je pense. In het ochtendgebed heeft hij daarover gesproken. Alléluia. Amen. Contradictoire. Nous voulons Dieu. Wij willen God. Mais nous faisons des choses qui sont contraires. Maar wij doen dingen die tegengesteld zijn aan wat God van ons vraagt te doen. Alléluia. Amen. Alors, regardez quelque chose. Dus laten we kijken naar een zaak. Lorsque, verset 9. Lorsque de dorsvloer van Gidon. Uzza étant que les bœufs la faisaient pencher. Omdat de runderen struikelden. Alléluia. Amen. Je sais pas, c'était le mois passé. Ik weet niet, was dat vorige maand? J'ai eu peur dans mon cœur. Ik had echt schrik in mijn hart. Alléluia. Amen. J'avais demandé à des gens de pouvoir prendre la table. Ik had gevraagd aan de mensen om de tafel te dragen voor het avondmaal. Et cet épisode m'avait traversé directement l'esprit. En deze episode in dit verhaal is in mijn geest opgedoken. Parce qu'après là, Dieu a parlé. Want nadien had God gesproken. Halleluja. Amen. Et c'est ce verset qui était revenu dans mon cœur. En dat was deze verse die terug is gekomen bij mijn, in mijn hart. Que les choses de Dieu, dat de dingen van God, nous devons faire très attention. Dat we daar voorzichtig moeten zijn. Halleluja. Amen. Faire très attention. We moeten daar voorzichtig zijn. De ne pas prendre cela à la légère. Om dit niet zo lichtgevallig op te nemen. Parce que nous pouvons amener les gens dans la mort. Want we kunnen mensen leiden naar de dood. Ou même dans des malédictions sans fin. Of zelfs vloeken zonder einde. Alléluia. Amen. Donc l'arche de Dieu commence à pencher. Dus de ark van God begon te beven. Alléluia. Amen. Uzza étendit la main pour saisir l'arche. En Uzza strekte zijn hand uit om de ark vast te grijpen. Mais il n'était pas disposé à toucher l'arche. Maar hij was niet geroepen om het ark aan te raken. C'était ni un sacrificatement fermé. Ik ga de haakjes openen die ik snel ga sluiten. Même quand il y avait le COVID. Zelfs wanneer er COVID was. Alléluia. Amen. Le COVID ou la COVID. Ça dépend de la personne qui emploie l'article. Dat hangt af van de persoon die. Il y a des gens qui disent la COVID. Er zijn mensen die zeggen
Il y a des gens qui disent le COVID. Bon, soit. Cela dépend de celui. L'article dépend de celui qui l'emploie. Ça, c'est un. Welk artikel de persoon zegt. Alléluia. Gebruikt. Amen. Bon, COVID. COVID. Comme disait quelqu'un, les pigeons ou la pigeon? De duif of het duif? Les pigeons ou la pigeon? Is het de duif of het duif? Alors, les élèves étaient en train, les professeurs viennent. En de prof komt. Il dit aujourd'hui, nous allons étudier la pigeon. Vandaag gaan wij de duif, het duif. Les élèves commencent à rigoler. En de leerlingen beginnen. Il dit non, non, nous allons étudier aujourd'hui les pigeons. Nee, we gaan de duif bestudeeren. Les élèves encore rigolent. En de leerlingen lachen. Alors il regarde, il dit non. En die kijkt van. Que ça soit les pigeons. Of het nu het duif is. Ou la pigeon. Of de duif. Aujourd'hui nous allons étudier pigeons. Vandaag gaan we duif bestuderen. Alléluia. Comme ça c'est plus simple. Zo is dat simpel. Je disais ceci. Quand bien même il y avait la COVID. Ook al was er COVID. Alléluia. Amen. Les gens m'ont dit, mais pasteur, est-ce qu'on peut faire la Sainte-Cène en ligne? De mensen vroegen mij, kunnen wij de avondmaal online doen? J'ai dit non. Ik zei nee. Parce que c'est toujours ce verset-là. Want het is nog steeds dezezelfde verse. Qui remonte dans les cœurs. Die terug bij mij opkomt in mijn hart. Parce que les choses sacrées. Want de heilige zaken. Nous hommes, nous n'avons pas l'autorisation ni l'autorité de les désacraliser. Wij als mens hebben geen autoriteit om deze heilige zaken onheilig te maken. Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt er iemand mij? Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'avais insisté. Daarom had ik de nadruk daarop gelegd. Même ceux qui suivent parfois des prédications en ligne. Zelfs de mensen die de predikingen online volgen. Parce qu'on vous dit, prenez du vin ou du jus, vous allez communier. Oh, dat neemt wijn of... David was aan het dansen. Le peuple est en train de danser. Het volk was ook aan het dansen. Alléluia. Amen. Ils sont dans les réjouissances. Ze zijn zich aan het bevredigen. Alléluia. Amen. Ils sont en train de se réjouir. Vraiment, Dieu est là. L'arche de Dieu est en train de monter. Gloire au Seigneur. Les gens poussent des cris. Il y a des trompettes. Mais Uzza. L'arche commence à pencher. Zag dat de arche begon te C'était vallen. Une bonne action qu'il voulait faire. Une goede actie dat hij il voulait doen. Retenir pour que l'arche de Dieu ne hij tombe pas. Het arc van God tegenhouden opdat dat niet ging vallen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde in de les dieux que nous prions. De God die wij bidden. Déjà dans la forme de l'arche, nous voyons qu'il y a des chérubins. Al in de vorm van het arc ziet je est-ce qu'il est incapable de pouvoir waren? Mettre des anges à côté? Is hij onbekwaam om engelen aan elke zijde vous van het arc te plaatsen? Que votre protection va protéger quoi? Denken jullie dat jullie eigen bescherming een eender welke zaak zal voyez, beschermen? Parfois nous voulons voir les choses de Dieu de manière physique. Dikwijls willen de zaken van God bekijken op een fysieke wijze. Non, il est esprit. Maar hij is een geest. Et nous devons considérer les choses de Dieu selon en les spirituels. En wij moeten de dingen van God in acht nemen volgens même si l'arche allait pencher comment? Ook al ging het ark vallen op eender welke ça manier. Ça n'allait jamais tomber. Het zou nooit geval zijn. Alléluia. Amen. Jamais. Nooit. Mais Uzza met sa main. Maar Uzza strekt wow. zijn hand uit. Tu n'es pas sacrificateur. Maar je bent geen priester. Tu n'es pas souverain sacrificateur. Je bent ook geen hoge priester. Tu viens toucher quelque chose de sacré. Je raakt iets heilig aan. La parole de Dieu nous dit. Het woord van God zegt la ons. La colère de Dieu s'est enflammée. Dat de woede van God is naar boven gekomen. Uzza tombe mort. Uzza is doodgevallen. En un instant. Eén moment. La fête aussi, c'est. En het feest is gestopt. Alléluia. Allez, je vais taquiner un peu. Alléluia. Amen. Parce qu'au milieu des fêtes d'anniversaire, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, kijk-lui rechts. Servez-moi quoi? Dien mij. Wat de l'eau, hein? Water? Alléluia. De l'eau colorée. Gekleurde water. Amen. Amen. Ici, comment on appelle ça encore? Vodka. Vodka. Quand on vous met le vodka dans le verre. Wanneer er vodka geplaatst wordt in uw glas. Mon frère Raymond, quand on met le vodka dans le verre. Mijn broeder Raymond, wanneer vodka wordt gezet in uw glas. Ça ressemble à quoi? Op wat lijkt dat? À quoi? À de l'eau. Op water. Mon épouse dit coca. Mon épouse dit coca.
Alléluia. Amen. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici. Heb ik jullie dat verhaal al verteld? Amen. On est parti à un mariage en France. We zijn naar een bruiloft gegaan in Frankrijk. Ik denk dat dat in Frankrijk was. Alléluia. Amen. Je vais juste raconter puis on. Ik heb het verhaaltje vertellen daarna. On va à un mariage en France. Dus we gaan naar een huwelijk in Frankrijk. Complexe, wat, we zien iemand binnengaan. Il s'est mis en un coin. En die is gaan zitten in een hoek. Laag jullie even. Pour dire ceci. Om jullie te zeggen. Même au milieu des anniversaires. Zelfs in verjaardagsfeesten. Respectons les principes de. Laten wij de principes van God respecteren. Alléluia. Amen. Parce que Uza c'était au milieu de la fête. Want Uza was in the middle of the feast. La fête s'est transformée en un deuil. Feest is snel omgetoverd in. Et c'est la fête de qui? C'est la fête de Dieu. Les gens sont en train d'acclamer l'arche de Dieu. Het ark van God aan het applaudisseren. Alléluia. Amen. Mais Uza tombe là. Maar Uza valt dood. Meurt. En sterft. C'est compliqué. Dat is ingewikkeld. Alléluia. Amen. C'est très compliqué. Dat is zeer ingewikkeld. C'est pour ça que nous avions dit. Het is daarom dat wij gezegd hebben. Alléluia. Nous avions dit ceci. We hebben het volgende gezegd. C'est un Dieu d'amour. Het is een liefdevolle God. Mais aussi un feu maar dévorant. Ook een verterend vuur. Verset 12 rapidement. 1 Kronieken 13 verset 12. David eut peur. David was op die dag bevreesd voor God. De Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je entrer, alléluia, chez moi l'arche de Dieu? En zei, hoe moet ik de ark van God bij me brengen? Amen. Amen. Uza tombe mort. Uza valt dood. David a eu peur. David had schrik. Il dit, si le fait que Uza a mis sa main sur l'arche est tombé mort. En hij zegt zichzelf, le fait dat Uza zijn hand heeft uitgestrekt en dood is gevallen. Comment est-ce que moi je peux ramener cette arche maintenant chez moi? Hoe kan ik deze ark nu bij ons brengen? Alléluia. Amen. Verset 13. Verset 13. David n'héritera pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il a fait conduire Uza dans la maison d'Obed et dans des Gat. Daarom liet David de ark niet bij zich in de stad van David brengen, maar hij liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Gittit. Alléluia. Amen. Verset 14. Bénis la maison d'Edom et tout ce qui lui appartenait. Zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. Ça paraît contradictoire. Dat lijkt toch tegenstrijdig te zijn. Alléluia. Ça paraît contradictoire. Dat lijkt toch tegenstrijdig te zijn. D'un côté, l'arche de Dieu a amené Uza à la mort. Op de ene kant heeft de ark van God. Mais quand on prend l'arche de Dieu, dood gebracht, on la met dans la maison d'Obed-Edom. God in het huis van Obed-Edom geplaatst. La parole wordt, de Dieu nous dit. Het woord van God zegt que ons. Que Dieu va bénir Obed-Edom. Dat God Obed-Edom la présence zegenen, de Dieu de aanwezigheid van dans God la maison d'Obed-Edom in het huis van Obed-Edom a amené la bénédiction dans cette famille. Heeft de zegen gebracht in deze familie. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci, bien-aimé. Dit wil zeggen, geliefde, que la présence de Dieu dat de aanwezigheid van dans God dans le respect des principes als we de respect hebben voor de principes van God amène la bénédiction zegen brengt la présence de Dieu de aanwezigheid van dans God le non-respect des principes amène la mort ou la malédiction. Gaat dood of vervloeking brengen. Alléluia. Amen. Nouvelle Jérusalem d'Assel. Nieuwe Jeruzalem van Hasselt. Vous avez provoqué les dieux d'Israël. Jullie hebben de God van vous avez Israël demandé au Dieu d'Israël de venir et de marcher avec vous. Jullie hebben gevraagd aan de God van Israël. Faisons attention. Maar laten wij voorzichtig zijn. Parce que le non-respect des principes de Dieu de principes van God niet respecteren, risquerait de nous être contraire. Gaat het ons leiden naar een Dieu marche dans ses principes. God gaat op stap volgens si ses principes. Nous respectons les principes de als Dieu, wij de principes van God nous respecteren, allons voir la bénédiction de Dieu se multiplier, se multiplier, se multiplier encore. De zegen van God zien vermenigvuldigen en opnieuw en opnieuw. Pour que nous puissions nous sentir bien. Opdat we ons goed voelen. Que les gens puissent voir rabakante, rebokase, bien. Tu te sens bien. En je voelt je goed. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Maar dat is de
le Saint-Esprit veut démontrer la gloire de Dieu. Il veut que la gloire de Dieu soit démontrée. Il est venu contre vous. Quand je parle des jeunes gens, cela veut dire que je m'adresse aussi aux adultes. Ik spreek ook tot de volwassenen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David n'a pas respecté les principes de Dieu. Had de principes van God niet respecteerd. Et il a fait tuer Uzza. En Uzza is daardoor dood gegaan. Mais quand on amène l'arche chez Obed-Edom, maar wanneer we l'arche brengen bij Obed-Edom, la présence de Dieu, de aanwezigheid van God, a commencé à bénir cette maison. Begon dat huis te zegenen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 15. Een realiteit de aanwezigheid van God zegen brengt. Alléluia. Amen. Maintenant, chapitre 15. En nu 1 Kronieken hoofdstuk 15. Verset 1er. Verset 1. David s'est bâti des maisons dans la cité de David. Il prépara la place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. En David bouwde voor zichzelf huizen in de stad van David en hij maakte voor de ark van God een plaats gereed en zette er een tent voor op. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrêterai là, nous verrons le dimanche prochain par après. Ik ga je vais m'arrêter stoppen ici. En we gaan de rest volgende week zondag zien. Regardez quelque chose d'important, bien-aimé. Kijk naar iets zeer belangrijks, geliefde. David a appris la leçon. David heeft zijn les geleerd. Amen. Amen. Il prépare une tente. Hij heeft een tent voorbereid. Parce que les gens ont vu que la maison d'Obed-Edom était bénie. Want de mensen hebben gezien dat het huis van Obed-Edom gezegend was. Écoutez ce que David lui-même maintenant va dire. En luister heel goed naar wat David zelf gaat zeggen. Alors David dit. En David zei: l'arche de Dieu, ark van God, ne doit être portée que par les Lévites. Enkel gedragen worden door de levieten. Où sont les vaches? Waar zijn de koeien? Où est la charrette ou bien le char? Waar is de wagen, de koets? David a compris qu'il avait fait une erreur. David had begrepen dat hij een fout is begaan. Parce que l'arche de Dieu, want de ark van God, si nous avons eu le temps, als wij de tijd vous lisez dans les livres de Lévitique, en jullie lezen in het boek van Leviticus, dans les livres d'Exode, en het boek van Exodus, Dieu avait dit quelle est la tribu qui devait porter l'arche. God had gezegd welke stam et que l'arche de Dieu ne devait jamais être portée sur les bêtes, ni sur un char. Dat de ark van God nooit gedragen moest worden. Lévites. En het waren dus de Levieten qui portaient l'arche de die de ark van God de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. And that was the principe of God. Même quand Josué va pouvoir rentrer pour pouvoir, comment dire, traverser le Jourdain, en nu zelfs Josué, wanneer hij de Jordaan wilt oversteken, Lévite, prenez l'arche, hij zegt, Lévite, et vous rentrez d'abord le premier, les pieds dans le rivière ou dans le fleuve Jourdain. De voeten zetten in de Jordaan. Alléluia. Amen. Regardez bien. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être. Mag de ark van God dragen dan alleen de levieten. Car l'Éternel les a choisis. Want hen heeft de Heere gekozen. Pour porter l'arche de Dieu. Om de ark van God te dragen. Et pour en faire le service à toujours. En hem tot in eeuwigheid te dienen. Vous voyez la différence? Zien jullie het verschil? Au chapitre 13. En hoofdstuk 13. Halleluja. Amen. Au chapitre 13. En 1 Kronieken 13. Il a bricolé. Heeft hij. Il a fait des choses selon lui. De dingen gedaan volgens hem. C'est ce qu'il avait vu, n'est-ce pas, les vaches sortir du pays de Dagon. Toen hij de koeien uit het land van Dagon, de ark van God, zag dragen. C'est pour cela que je viens te dire. Dus daarom dat ik kom zeggen. Ne copie pas sans comprendre. Kopieer de zaken niet zonder de dingen te begrijpen. Oh non, tout le monde le fait. Non. Oh. Iedereen doet het. Fais très attention. Nee. Wees zeer voorzichtig. Tu es un enfant de Dieu. Je bent een kind van God. Ta manière de faire les choses, uw manier om dingen te c'est doen, en respect des principes de Dieu. Doet je dat
David a donc compris que Uzza est mort parce qu'il n'était pas habilité ni à toucher ni à servir. Parce que dès le commencement, Dieu avait dit ce sont les Lévites qui doivent porter mon arche. Point. In het begin had God gezegd dat enkel de Levieten het ark mocht dragen. Halleluja. En David assembla tout Israël à Jérusalem. En verder riep David heel Israël bijeen in Jeruzalem. Pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. Om de ark van de Heer op te halen en die op zijn plaats te brengen die hij ervoor gereed gemaakt had. Regardez bien. Dus kijk heel goed. David assembla les fils de qui? Vervolgens verzamelde David de nakomelingen van et les Aaron et Lévites. De Lévites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 14. Verset 14. Les sacrificateurs, de priesters, et les Lévites, en de Lévites, se sanctifièrent, heiligden zich, pour monter l'arche de l'Éternel, du Dieu dit, d'Israël. Om de ark van de Heere, de God van Israël, op te halen. Verset 15. Verset 15. Les Lévites, les fils de Lévites, pardon, de nakomelingen van de Lévites, portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec les barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de qui? De l'Éternel. En de nakomelingen van de Lévites droegen de ark van God op hun schouders met de draagbomen eraan, zoals Mozes geboden had, overeenkomstig het woord van de Heere. Quelqu'un me comprend? Begrijpt er iemand mee? Le respect des principes de Dieu. Het respect voor de principes van God. Halleluja. Amen. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Hij was de mens volgens het hart van God. C'était l'homme qui avait été oint par Samuel pour être le roi d'Israël. Het was de man die gezalfd werd door Samuel om koning te worden voor Israël. Halleluja. Amen. C'était l'homme, n'est-ce pas, que les gens sont venus et l'ont établi sur Israël. Het is de man waarvan het volk hem tot koning heeft gebracht. Il avait la faveur de Dieu. Hij had de gunst van God. Halleluja. Amen. Il a eu la bonne idée. Hij had een goed idee. De pouvoir faire monter l'arche de Dieu. Om het ark van God terug te brengen. Halleluja. À Jérusalem. Naar Jérusalem. Quelle merveilleuse idée. Wat een wonderbaar idee. Mais le problème. Maar het probleem was. Il a voulu faire selon lui. Dat hij de dingen ging doen volgens zijn eigen ding. Selon lui. Volgens zijn le problème, c'est ça, bien-aimé. Tu as reçu les révélations de Dieu. Ce sont des bonnes choses que Dieu t'a inspirées. Mais le problème, tu veux faire les choses selon toi. Va vers Dieu. C'est lui qui t'a inspiré. Il va te dire comment faire les choses. Ici, là, il dit, les Lévites se sont sanctifiés d'abord. De Lévites hebben zichzelf geheiligd. Premier principe. Eerste principe. C'est là où chaque matin. Dus elke ochtend. Chaque matin. Elke ochtend. Alléluia. Amen. Nous prions avant d'aller dans la présence de Dieu. Bidden wij voordat we naar de aanwezigheid. C'est un principe que Dieu, présence de Dieu, comme nous nous pensons, comme nous nous voulons, non. Aanwezigheid van God, zoals onze eigen gedachten en zoals wij. Oui, si tu es en danger, oui. Als je een gevaar hebt. Seigneur, sauve-moi, il viendra. Red mij en tu es son fils. Je mais quand zoon. Nous voulons aller dans des temps de prière. Wanneer we gaan naar momenten van gebed. Alléluia. Amen. Ne bricolons pas. Laten de dingen niet doen volgens zijn eigen wil. Je dis bien, ne bricolons Laten pas. De dingen niet doen Dieu a établi des principes God et respectons ces principes-là. En laten we deze principes respecteren. Que ce soit dans votre propre vie, in uw eigen leven, que ce soit dans la vie, même quand vous conduisez le culte, quand vous conduisez la prière, gaan leiden, of het prenez leiden, toujours le temps de passer par la croix de Christ. Moment om doorheen de kruis van Christus c'est te gaan. Un principe. Dat is een principe. Alléluia. Amen. Sinon tu vas aller comme toi tu penses. Anders ga je de dingen doen tu prends même Dieu comme étant ton copain. God beschouwen il als n'est jouw pas vriend. Ton copain. Maar hij is jouw vriend niet. Il est le Dieu éternel. Hij is de eeuwige celui God. Qui n'a ni commencement ni fin. Die geen begin heeft, il est éternel. Alléluia. Il est ton Seigneur. Hij is uw il est ton maître. Hij is uw meester. Mais par sa grâce il est en devenu ton père. Zijn genade is hij alors ne le prends pas comme un copain. Dus neem hem niet zoals een eender welke arrêtons ces affaires. Stop met deze parce que sinon
il y aura des Ananias et des Saphira. Vous allez dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que vous voulez faire les choses selon vous, non. Faisons les choses selon les principes de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu veux bricoler ton Dieu, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. David va dire, l'arche de Dieu doit être portée par les Lévites, comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Et vous allez voir, ils vont faire rentrer l'arche dans les réjouissances. Met vreugde. Halleluja. Amen. Et l'arche de Dieu va être à Jérusalem. En het ark van God gaat in Jeruzalem. Il n'y aura ni mort ni quoi que ce soit. Er is geen enkele dood neergevallen. Halleluja. Amen. Au contraire. In tegenstelling. La vie de David. Het leven van David. Nous le verrons le dimanche prochain. We gaan dit volgende week zondag zien. Dieu va encore la bénir davantage. God gaat dat nog eens zegenen. Parce qu'il a respecté. Want? Bricolé. Stop om de dingen uit je eigen wil te doen. Maintenant là, les smartphones, les l'internet, c'est partout, n'est-ce pas? Want nu heb je smartphones en internet is overal. Tu vois sur internet. Je ziet op internet. Tu veux appliquer. En je wilt deze dingen toepassen in je eigen leven. C'est une bonne chose de voir. Een goede ding. Avant d'appliquer. Maar voordat je deze zaken toepast in je eigen leven. Va vérifier. Ga controleren. Si cela correspond. Of dit overeenkomstig is. Au principe de Dieu. Met de principes alors van God. Alors tu peux appliquer. En dan kan je dat toepassen in je leven. Maar sans vérifier, zie, zonder dingen na te checken, ga je dat toepassen in je leven. Tu risques de devenir un ouza. Dan riskeer jij een ouza te worden. Ou bien une saphira. Of een saphira. Les gens disent, ah, mais nous sommes dans l'Ancien Testament. Oh, we zitten in het nieuwe, Oude Testament. Nee, nee. Ananias et Saphira, c'était dans l'Ancien Testament. Ananias et Saphira bevonden zich in het Oude Testament? Oui. Ja? C'était dans le Nouveau Testament. Bevonden zich in het Nieuwe Testament. Nouvelle Jérusalem d'Asset. Nieuwe Jérusalem van Hasselt. Sommes-nous pas contents que Dieu soit au milieu de nous? Zijn we niet blij dat God in ons midden is? Sommes contents. Daar zijn we tevreden mee. Vous voulez qu'il puisse demeurer et encore voir sa main davantage? Wil je dat hij bij ons blijft en dat hij zijn blijft een actie zetten? Que chacun de nous s'engage. Dat ieder van ons à respecter les principes. De beslissing neemt om de principes van God te respecteren. Et qu'on arrête de bricoler. En dat we stoppen onze eigen wil te doen. Ah non, j'ai vu l'autre, il a conduit la prière. Ik heb gezien hoe de andere het gebed geleid heeft. Conduis selon les principes de Dieu. Leid het gebed volgens de principes van God. Lève-nous, allons prier. Laten we opstaan en de Heer bidden. Je pourrais avoir aussi la table, s'il vous plaît. Graag zou ik ook willen dat de tafel naar voren gebracht wordt. Amen. Amen. Venez nous apporter la table. Zou jullie alsjeblieft komen om de tafel te dragen? Monsieur Christian. Merci. Mais om mijn eigen wil niet te doen. Mais à respecter. Maar om les principes de principes van God te respecteren. Halleluja. Amen. À respecter les principes de Dieu. Maar om de principes van God te respecteren. À respecter les choses sacrées. Om de heilige dingen te respecteren. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Très important. Dat is heel belangrijk. Je peux avoir quelqu'un piano, s'il vous plaît. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Laten we onze stemmen verheffen en onze Heere bidden. Halleluja. Amen. Prie le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Bid tot de Heere, opdat de Heere u helpt. À respecter les principes. Zeg, Heere, help mij om de, uw principes te prions respecteren. Laten we onze koning bidden. Alléluia. Est-ce que les membres du comité, si vous voulez bien venir? Kunnen de leden van het comité ook naar voren komen? Continue à prier le Seigneur, que le Seigneur t'aide blijf à respecter les principes. Opdat de Heer u helpt om de principes te respecteren. Seigneur, nous te prions ce matin. Heer, we bidden u deze ochtend.
au milieu de toutes ces réjouissances. In het midden van al deze vreugde. Père de gloire, Uza est tombé. Is Uza gevallen. Nous te prions, Seigneur, ce matin. En we bidden u deze ochtend. Pour que tu nous aides, ô notre Dieu. Opdat u ons helpt, onze God. À marcher dans le respect de tes principes. Om op stap te gaan volgens uw principes. Car tu ne changes pas. Want u verandert niet. Tu demeures le même. U blijft dezelfde. Hier, aujourd'hui. Gisteren, vandaag, et éternellement. En in de eeuwigheid. Ceux qui ont marché dans le respect des principes. Degenen die op stap zijn gegaan in de respect. Ils ont vu ta main, Seigneur. Ze hebben uw hand gezien. Ils ont contemplé ta gloire. Ze hebben uw glorie. Telle est aussi notre prière. Gezien. En dat nous is voulons ons contempler gebed. Ta gloire, Seigneur. Wij willen uw glorie. Mais nous voulons zien. Contempler ta gloire. Maar we willen uw glorie zien. Seigneur, dans le respect. Zien in de tes respect. Principes. Volgens het respect van uw au principes. Nom de Jésus-Christ. Un Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. 1 Corinthiens hoofdstuk 11 verset 23. Il dit ceci car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd. Prit du pain. Brood nam. Et après avoir rendu grâce. En nadat hij gedankt had. Les rompit et dit. Brak hij het en zei. Ceci est mon corps. Neem. Qui est rompu pour vous. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Faites ceci en mémoire de moi. Doe dat tot mijn nagedachtenis. De même après avoir soupé. Evenzo nam hij ook de drinkbeker. Il prit la coupe et dit. Na het gebruiken van de maaltijd en zei. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Faites ceci en mémoire de moi. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt. Toutes les fois que vous en boirez. Tot mijn gedachtenis. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. Vous annoncez la mort du Seigneur. Verkondig de dood van de Heer. Jusqu'à ce qu'il vienne. Totdat hij komt. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. Et qu'ainsi il mange du pain et boive. Laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt. Mange et boit un jugement contre lui-même. Die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Les éléments vont passer. De elementen zullen rondgaan. Vous vous servez. Je kunt jezelf dienen. Et nous allons manger et boire tout ensemble. En we gaan samen eten en drinken. Quand je contacte ton sainteté. Thank you.
Avec le corps du Seigneur, par les meurtrissures duquel nous avons reçu la guérison. Door wie wij de zijnstriemen genezing ontvangen hebben. Communion tous avec le corps du Seigneur. Laten allen genezing hebben met het brood van de Heer. Aussi communier avec le sang, avec la coupe qui est le symbole du sang. We gaan ook drinken van de beker die het symbool is van de bloed. Le sang que le Seigneur a versé à la croix. De bloed van Christus die gevloeid is aan het kruis. Symbole de la nouvelle alliance. Symbool van het nieuwe verbond. Le sang par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Het bloed waarbij wij verzoening hebben met God. Mais qui fait de nous aussi des enfants de Dieu. En die ook van ons kinderen van God maken. Communion tous avec la coupe. Laten we allen drinken van de beker. Nous voulons continuer à chanter ces chants, la sainteté de Dieu. Et pendant ce temps, tu lèves simplement ta main et tu loues le Seigneur. Alléluia. En we gaan de Heer pendant que tu vas le louer, la présence de Dieu se manifestera. Gaat de aanwezigheid van God. Quelle que soit la maladie. Maakt niet uit. Le Seigneur va te toucher. Oh, je t'adore.
par les blessures de Jésus. Que la guérison puisse se manifester, Seigneur. Marabou, c'était les mandats. Marabou, ça fait les mandats. Que la guérison, Seigneur, particulièrement ce jour, la guérison, Seigneur mon Dieu, dans les maladies, la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche, Seigneur, ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur, qu'ils soient touchés par toi, Seigneur mon Dieu, en ce moment, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Maladie, Seigneur. Ce matin, Père, nous proclamons la guérison, Seigneur. 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 Sur les cancers, nous proclamons la guérison, Seigneur. Mettez-toi bien des places sur n'importe quelle autre maladie, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, visite ton peuple, visite ton peuple, visite ton peuple, Seigneur. Ce matin, Seigneur, que celui qui souffre dans son corps, au nom de Dieu, avec une maladie quelconque, Seigneur mon Dieu, ce matin, que la puissance de la guérison, Seigneur, visite chacun, chacune de tes enfants, au nom de Jésus, parce que nous avons communié avec le pain qui est ton corps. Nous avons communié avec la coupe qui est, Seigneur mon Dieu, le sang. Père de moi, mon Dieu, ce matin, Seigneur, manifeste ta gloire. Alléluia. Rebas ta maravosa. Reba kamte kereba. Alléluia. Particulièrement ce matin, tous ceux qui souffrent dans leur corps, d'une maladie quelconque, quelle que soit l'origine, quelle que soit le nom de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, ce matin, parce que nous avons communié avec le corps et le sang de Jésus-Christ, nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, pour que tu touches ceux qui sont malades dans leur corps. Reçois la visitation de Dieu maintenant. Reçois la guérison de Dieu maintenant. Parce que Dieu est présent. Que la maladie quitte ton corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que la maladie quitte ton corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie quitte ton corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie quitte ton corps maintenant dans le nom de Jésus. Que les douleurs s'arrêtent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la présence de Dieu te couvre. De la tête aux pieds. Que la présence de Dieu te couvre. De la tête aux pieds. Merci Seigneur. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît.
à tous. Goeiedag iedereen. Quelques annonces pour terminer ce culte. Enkele mededelingen om deze dienst te eindigen. Premier communiqué. Eerste mededeling. Le programme de la semaine se présente comme suit. Het programma van de week ziet er als volgende uit. Chaque mercredi. Elke woensdag. De 19h à 20h30. Van 19h tot 20h30. Nous avons la prière d'intercession ici à l'église. Is er een gebedsmoment hier in de kerk? Retransmis sur notre page Facebook. En dat wordt gediffuseerd op onze Facebookpagina. Oui, la nouvelle Jérusalem de Hasselt. Nieuwe Jeruzalem van Hasselt. Être rempli du Saint-Esprit. Gevuld zijn door de Heilige Geest. Mais être revêtu du Saint-Esprit, c'est mieux. Maar bekleed zijn door de Heilige Geest is beter. Alléluia. Amen. Deuxième annonce. Tweede aankondiging. Chaque vendredi. Elke vrijdag. Oui, de 19h à 21h. Van 19h tot 21h. Nous avons le culte d'enseignement ici à l'église. Hebben we onze Bijbelstudie hier in de kerk. Retransmis sur notre page Facebook. En dat wordt gezonden op onze Facebookpagina. Mais également sur notre chaîne YouTube, La Nouvelle Jérusalem de Hasselt. Maar ook in ons YouTube-kanaal, Nieuwe Jeruzalem van Hasselt. Merci de vous abonner massivement. Dank u om jullie op massaal te abonneren. Troisième annonce. Derde mededeling. La NAF. ANAF. L'Association Nationale des Femmes. Nationale Associatie van de Vrouwen. De La Nouvelle Jeruzalem. Van het Nieuwe Jeruzalem. Annonce une retraite. Kondigt een dameskamp aan. Du jeudi 2. Van 2. Au samedi 4 novembre prochain à Blankenberge. 2 november tot 4 november, donderdag tot zaterdag in Blankenberge. Oui, le prix à cette retraite c'est 200 euros. En de prijs bedraagt 200 euro. Par personne. Per persoon. Pour toutes les modalités d'inscription. Voor alle modaliteiten van inschrijvingen. Veux contacter Mama Christiane, s'il vous plaît. Geliefde Mama Christiane te contacteren. Quatrième annonce. Vierde mededeling. Nous avons retrouvé les habits des enfants derrière. Er zijn kleren van kinderen die gevonden zijn daarachter. Si vous avez perdu un pull, un t-shirt ou une jaquette. Als jullie een t-shirt, een trui of een jaquette verloren zijn. De votre enfant. Van uw kind. Veuillez contacter l'accueil. Geliefde dan daarvoor. Et vous allez sûrement retrouver votre article. Aan te spreken, die zullen jullie spullen terugvinden. J'ai une autre annonce, je vais me déplacer. Ik heb nog een andere aankondiging. Voilà, j'ai une Bible ici. Dus ik heb hier een Bijbel. C'est le Nouveau Testament. Het Nieuwe Testament. Il est écrit en français. En dat is in Frans. En anglais. Engels. En néerlandais. Nederlands. Et en allemand. En in het Duits. C'est un don de la sœur Patricia Joseph. En dat is een gave van onze zuster Patricia Joseph. Si vous êtes intéressé par cette Bible. Als jullie geïnteresseerd zijn in deze Bijbel. En français, en anglais, en néerlandais, en allemand. Frans, Engels, Nederlands en Duits. Oui, veuillez me contacter à la fin du culte. J'en ai en quantité suffisante. Ik heb er een genoeg aantal van. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Kan iemand glorie aan de Heer zeggen? Dit gloire au Seigneur. Kan iemand glorie aan de Heer voilà, zeggen? Veuillez me contacter à la fin du culte. Gelieve mij te contacteren. Comme ça vous aurez votre Bible gratuitement. C'est gratuit. Hein. En dat is gratis. Disons ensemble, c'est gratuit. Zeg samen, het is gratis. Je n'ai pas entendu. Ik heb jullie niet gehoord. Merci beaucoup. Voilà, je voudrais te souhaiter un bon anniversaire, mon frère. Ik zou u graag een gelukkige verjaardag. Mais toi aussi, ma sœur. Aan die mijn tu me suis sur internet, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem de Hasselt. Of de mensen die online volgen. Je te souhaite un bon anniversaire, mon frère. Ik wens jullie een fijne verjaardag. Toi aussi, ma sœur. En ook mijn zuster. Ici aussi dans la salle, tu as fêté ton anniversaire ce matin. Als je uw verjaardag gevierd hebt ou au courant de cette semaine qui vient à se chever. Of gedurende merci beaucoup ma soeur, qu'on applaudit très très fort pour notre soeur. C'est pour toi ou c'est pour l'enfant? C'est pour, voilà, je savais que c'était pour le bébé. Comment s'appelle encore le bébé s'il te plaît? Voilà. La vie en nous, Zoé. Je vous prie de vous lever s'il vous plaît. Nous allons chanter pour Zoé, la vie en nous, Zoé. Pour Zoé zingen. Avons-nous quelqu'un au piano, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Zoé. Thank you.
Merci beaucoup. Je voudrais inviter le bishop pour prier et pour clôturer ce culte. Que Dieu vous bénisse. Merci bien. Que le Seigneur soit béni. Wow, c'est l'anniversaire de Zoé. C'est le verjaardag van Zoé. Elle a amené quoi? Elle a amené un gâteau. Elle a meegenomen une tarte. Les tontons de Zoé se trouvent où? Waar is de tonton van Zoé? Tonton, tu n'as pas amené le gâteau? tourne là. Voilà, comme ça on peut faire une photo à Zoé. Wow. On va prier le Seigneur et puis nous allons clôturer ce moment. Heere bidden en we gaan deze moment afsluiten. Seigneur, que la gloire soit à toi. Heere, de glorie behoort u toe. Nous recommandons, Seigneur, Zoé entre tes mains. We zetten Zoé in uw handen. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce soit sur elle. En we bidden dat uw genade op haar rust. Protège-la, ô notre Dieu. Bescherm haar, ô onze God. Et permet qu'elle puisse grandir, ô Père éternel. En laat toe dat zij kan groeien, ô Heer. Donne la sagesse, ô notre Dieu, à la maman. Geef de wijsheid aan de mama. Seigneur, pour pouvoir élever cet enfant. Om deze kind op te voeden. Dans de bonnes conditions. In goede condities. Mais surtout dans la sagesse de Dieu. Maar vooral volgens de wijsheid van nous God. Nous prions par ton sang. Et nous prions, Seigneur, pour que cette année, Seigneur, mon Dieu, que tu lui accordes qu'elle puisse encore aller de l'avant dans son apprentissage, ô notre Seigneur. Et que tout ce qui est contraire soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi Père, pour les offrandes et les dîmes que nous sanctifions par le sang de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que toi qui donnes corps à la semence, donne corps suivant le besoin de tout un chacun. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, onze Vader, et la communion de l'Esprit Saint soient notre partage met ons alle, et nous accompagnent. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, naam van Jesus nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bon anniversaire, Zoé. Gelukkige verjaardag, Zoé. Voilà.